Aux Avirons, et plus précisément au Relais d'Insertion, le week-end dernier était placé sous le sceau des associations qui s'étaient donné rendez-vous pour une matinée récréative avec au programme des jeux longtemps, course gonie, tir à la corde, chamboule tout, bataille toupie et autres animations musicales. Avec aussi en tête d'affiche la chanteuse Clara et sa belle voix pour mettre l'ambiance. Organisée par le CCAS, cette matinée d'Olympiade des jeux longtemps a ainsi fait le bonheur de tous ceux et celles qui avaient à cœur de finir l'année en beauté. Pour le maire des Avirons, Éric Ferrer, il est important d'organiser de telles rencontres pour ne pas oublier en cette période de Noël que ce sont les enfants qui sont les rois de la fête. Et quoi de mieux que de les faire replonger un instant dans l'ambiance des jeux longtemps et de sa magie intemporelle qui rassemble et fédère. Renouer des liens avec la tradition, avec notre patrimoine, donc les jeux, ça en fait partie. C'est important pour les enfants de savoir que leur papa, leur grand-père faisait ces jeux-là. Ce lien donc intergénérationnel à travers le jeu est très important parce qu'il resitue l'enfant dans son histoire. Pour Jean-Daniel Denmont, élu en charge des affaires sociales et du service temps libre, ainsi que vice-président du CCAS, la municipalité se réjouit d'organiser cette demi-journée pour que la jeunesse avironnaise soit accompagnée et d'aller chercher les jeunes là où ils sont. Aujourd'hui, c'est important de voir des jeunes se réapproprier l'histoire, leur propre histoire, à travers nos jeux. On sort du cadre habituel pour justement faire en sorte d'amener les jeunes vers d'autres actions, d'autres activités. Et c'est l'essence même de notre politique aujourd'hui, ce travail de prévention. Et comme je le dis régulièrement, on a cet objectif d'aller chercher les jeunes là où ils sont. Et on veut aussi toucher celles et ceux qui rencontrent le plus de difficultés, que ce soit sur le plan du travail, que ce soit sur le plan personnel. C'est notre objectif aujourd'hui, c'est d'apporter le maximum de réponses à cette jeunesse. Et cela passe aussi par des animations diverses, parce que cet espace relais de l'insertion a besoin de vivre. C'est devenu un PIJ, point d'information jeunesse. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que ce soit le pôle des jeunes, cet espace relais de l'insertion. De son côté, Alexandre Percé, qui travaille au relais de l'insertion, était au cœur de ce dispositif d'animation pour cette demi-journée qu'il a préparée avec cœur. C'est faire avec le cœur. Toute l'organisation, les jeux longtemps, et de réunir un peu tous ces gens-là en fait, qui ont travaillé par rapport à ce projet qu'on a fait pendant toute cette année. C'est une récompense, c'est de montrer aussi que les associations ont participé au projet. Aux Avirons, quand la jeunesse est mise à l'honneur de la sorte, c'est toute la ville des Avirons qui rayonne et qui est fière de voir ses enfants s'épanouir et vivre ensemble dans une ambiance de respect mutuel et de partage. Je souhaite aux Avironais un joyeux Noël et une bonne fête de fin d'année et une bonne année 2022 à tous. Ville des Avirons, vers un territoire durable.